vous respectez pas les défunts, qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Rémy, on les respecte, les défunts. On les respecte. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est regarder les contradictions dans lesquelles nous sommes. Si, Jean-Rémy, souvenez-vous, on était encore sur la fin du déconfinement, à peine sur la fin du confinement, qu'on dit qu'il est important que les Français retournent travailler. C'est le gouvernement qui nous le disait. Alors qu'on avait Jérôme Salomon, qui était en train de faire tous les soirs le décompte macabre. Donc je serais tenté de vous dire que celui qui, le premier, n'a pas respecté les défunts, c'est le gouvernement. Puisque c'est lui qui a demandé aux Français de retourner travailler. Attendez, je finis, Jean-Rémy. Les Français doivent se masquer pour prendre les transports en commun et aller bosser. Les Français, on va peut-être leur dire aussi qu'il faudra qu'ils mettent le masque obligatoire pour aller au boulot. Mais pourquoi est-ce que je pourrais pas aller dans un festival en étant masqué? Pourquoi je pourrais pas aller dans un stade applaudir une équipe de foot en étant masqué avec mon gel dans la poche? Donc je dois me masquer. Je dois me masquer pour aller bosser et prendre les transports en commun. Je dois me masquer aussi sur mon lieu de travail, mais je peux pas aller écouter de la musique et je peux pas aller au stade applaudir mon équipe de foot. Donc, contradictions, j'en ai plein les dos des contradictions. Vous comprenez, Jean-Rémy? Donc il y a un moment, il faut que la ligne, elle soit claire. Parce que derrière aussi, le fait de pas aller au stade, de pas laisser les équipes jouer, il y a des boulots. Il y a les stadiers, il y a les jeunes aussi qui viennent tenir les buvettes. Et là, ça va en fracasser un paquet aussi. Donc le premier à pas avoir respecté les morts, c'est celui qui nous a demandé d'aller bosser alors qu'on était encore en train de faire le décompte des défunts. Il aurait fallu rester confiné. Je suis d'accord avec vous. Voyez, Jean-Rémy, c'est tout. Il aurait fallu rester confiné. Non, mais en fait, Jean-Rémy, moi j'entends que... C'est là le problème.